Qu'est-ce que je cherche ? Salut tout le monde, c'est Jayden, comment allez-vous ? Moi ça va très bien. Ça me semble familier. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Uncharted 2, où maintenant nous avons récupéré la dague que Chloé avait. Lazarevitch est en colère après Flynn qui est en train de se faire démonter en ce moment. Oui, non mais ça je sais, laisse-moi juste t'expliquer. Et là, nous sommes séparés avec Elena qui est partie dans son coin pour se renseigner sur l'entrée secrète, pendant que nous cherchons l'entrée de Shambhala, ou du moins, nous essayons de savoir comment avancer dans ce lieu. Ah, voilà la page. L'oiseau, c'est un chat. Chat vert, demi-cercle. Et l'oiseau, triangle, ok. Il est où, l'espèce de chat? Je crois qu'il est là-bas. Ah, il est là. Donc ça va ici, si je comprends bien. Les énigmes de ce jeu ne sont pas compliquées. Mais je pense que Naughty Dog a fait exprès. Ok. Très bien. Et après ? Le triangle que nous allons mettre près de l'aigle. Je crois que c'était celle-là, ouais. Où est Sully quand on a besoin de lui ? En vacances, il nous l'a dit. Ça fait bizarre qu'il soit éloigné d'ailleurs. D'habitude, enfin, par rapport au 1, on se dit, oh, il va aider Nathan, non. Mais il a le droit de prendre des vacances au soleil, il est vieux. Le blanc, c'est l'eau, et carré, la terre. Donc blanc, c'est le dragon, et... Blanc, c'est le dragon. Il est où, le dragon? Il est là. Hop. Yes. On place le dernier et ça devrait être bon. Bon, question énigme, hein, les Uncharted ne sont pas trop compliqués à comprendre en termes d'énigmes. Franchement, je crois que vous n'avez pas besoin de Solus pour comprendre les énigmes. C'est assez facile à comprendre. Et voilà. Super. Ça devrait être bon. Oh merde. Encore ? Ah oui, c'est vrai, il y a les signes. D'accord, c'est pas la première fois que je vois ces symboles. Voyons. Alors le rouge, c'est pas là, là c'est pas le rouge. Là c'est le jaune, c'est le dernier. Donc le jaune c'est avec une barre et le vert c'est le rempli. Non. Voilà. Donc jaune c'est ça, vert il est là-bas. Non c'est le blanc ça. Ah bah il est déjà dessus, j'ai pas besoin de changer. Ah si, blanc il faut le bonhomme. Parfait. Ensuite, vert, donc c'est le rempli. Et rouge, c'est le bizarre. Ok. Donc là, c'est le rouge. Le A en forme bizarre. Non, ça c'est l'autre. Tourner dans le mauvais sens. Non, c'est bon. Voilà. Nous allons faire le dernier. On va peut-être trouver Shambhala dans cette vidéo. Hein. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, trois côtés, pile comme la dague. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non, mais cette dague, c'est vraiment un passeport pour Shambhala. Hein. Elle nous aura aidé pendant pratiquement toutes les énigmes du jeu. Alors. Elena, tu m'entends ? Ouais. Je crois que je viens de trouver l'entrée secrète. Vraiment ? Ouais. Tu vois là où il y a toutes les statues sur la falaise ? Rejoins-moi là-bas. Parfait. J'arrive. Et pas de bêtises, Elena. Hein. Prends le chemin le plus court. Oh, putain ! Je déteste ces trucs. J'ai failli me gourer de direction. Bon, il reste plus beaucoup de vidéos, là. Je pense qu'on approche de la fin du jeu. Elena, t'es là ? Ouais. Hey, je suis là, je te vois. Qu'est-ce que ces gars fabriquent ? On dirait qu'ils dégagent des statues. Ouais, bah, ces petits génies sont en plein dessus. Ouais, quand faut y aller... Ok.
C'est quand tu veux. Ouais, mais une chose à la fois, Elena. Et cette fois, essayons de ne pas mourir comme un caca, s'il vous plaît. Et hop! Ni vu ni connu, je t'embrouille. M'a pas vu. Très bien. Alors là, faut que je m'occupe de lui, là. Perds pas trop ton arme, ou du moins pas trop loin. Approchez-vous assez tous les deux. Parfait. C'est ce que je voulais. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais c'était pas prévu, vous. Je suis pas fou, il y en avait un derrière moi. Yes. En plein dans le pif. Oh non. Je l'ai vu trop tard, ce fusil à pompe de malheur. Chercher du gland, j'allais dire du nouille, oui, bien sûr. Feu. Oui, bah ça va. Oh. Non. Couché. Voilà. Cette fois, je fais attention. Et le fusil à pompe est plus là, je devrais être tranquille. Hop. Oh, ça a dû faire mal. Il est mort. Oh là là. Dans la tête. Voilà. Il y a encore des trucs là. C'est fini déjà. Bah oui, c'est fini, vous avez raison. Encore? Non mais... Attends, juste un truc avant, Elena. Parce que comme tu le sais, j'adore fouiller, voir s'il y a des trésors. Et apparemment, non. Ah, ce fail, c'est pas juste. Mon côté PGM a disparu. Je suis redevenu un noob. Que un noob, je crois que ça aurait plus de morts que ça. Plus de chance aussi. Elena, bouge pas! Tout ce qu'il fallait. Ah, c'est une grenade, tu es en train de me dire, c'est quoi qui brille? C'est là. C'est ça. C'est vraiment une clé pour accéder à Shambhala, ce truc. Ici, aide-moi à pousser. Allez, en avant. Un peu de nerf. Non, non, non. Ça se provoque, ça se provoque. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Eh ben, regardez-moi ça. Et dire qu'on est passé devant tout à l'heure sans le savoir. À la vue de tous. Allez, par là.
Je crois que c'est plus rapide de descendre par là. Sûrement. Et dire que l'entrée était sous notre nez depuis tout ce temps. On y va. T'approche pas de ces trucs, hein. Eh ben, au moins, ça les occupe. Tu vois ça? Oui. Reste derrière. Fais gaffe, hein. Ils sont forts. Oui, pardon, je regardais s'il y avait un petit trésor. C'est froid pour les mimines. Monte, monte, monte. Non, je veux pas y aller, j'ai peur de les affronter. Oh d'accord, c'est bon, j'y vais. C'est une blague? C'est une blague? Non mais attends, une chute comme ça, t'es pas mort logiquement. Hein. Y a presque rien en hauteur. Non mais la blague quoi. Tomber ce mur. Ah, vous m'avez énervé. C'est pas à cause de vous que je suis mort là, mais vous m'avez énervé quand même. Voilà. Oh. Attends, je veux l'achever à main nue, lui. Voilà. Et merci pour le flingue, débile. Eh ben, merci pour la corde, les gars. Tu viens, Léna? J'espère qu'il y a rien de flippant là-haut. Parfait, c'est dégagé, on y va. J'allais dire, vu le bruit, je pense que si, mais finalement, ça va. Ah! Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un trésor dessus et que je peux plus l'avoir maintenant. Attends. On va essayer. Ah, oh, ça marche! Ça a marché! Mais non, il n'y avait pas de trésor. Ok. Oh non, je vais mourir! Ah non, c'est bon. Bah voyez, là, il est pas mort. Non, mais le jeu, il exagère des fois. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. On y est presque, je le sais. J'ai besoin de ton aide. Par là. Ok. Et viens ouvrir la porte, Elena. Viens m'aider. S'il te plaît. Allez! On y est! Nous y sommes, Elena. L'entrée secrète de Shambhala. Chapitre 24. Ouais. Je ne vois rien. Moi non plus. Je ne grimperai pas un mur de plus. Continue de chercher. Il doit y avoir un indice quelque part. T'es vraiment sûr? Mais oui. Il y a forcément un indice. On a loupé un truc là. J'avais jamais regardé le journal, Elena. Oh. Oula, qu'est-ce que c'est toutes ces fleurs? Oh. C'est assez facile. C'est à l'endroit ou à l'envers? Ça se tient à l'endroit ou à l'envers? Ça se tient comme ça. Voilà. C'est pas compliqué. Attendez, je crois qu'il y avait l'indication dans le journal. Je vais juste vérifier, mais il me semble qu'il y a l'indication dans le journal. Non, 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 non. Je cherche. Voilà, donc ça c'est là où on était. Ça c'est pour après. Ah non, il n'y a pas l'indication. Oh, que vois-je? Mes yeux ébahis. Un petit trésor. Un Garuda en bronze. Continuons l'histoire. On fait quoi maintenant? Reste derrière moi. On a de la compagnie, on va se défendre, comme toujours. Lâche ton arme. Allez! Reculez!
J'aurais dû vous tuer moi-même quand je le pouvais. Je ne referai pas cette erreur. Reculez! Appuyez sur la gâchette, petite, vous survivrez peut-être. Maintenant, ouvrez-nous la voie vers Shambhala. Allez au diable. Ou va te faire voir, ça marche aussi. Vous êtes étudiant en histoire, monsieur Drake? Non. J'ai lu un livre ou deux. Genghis Khan, Hitler, Staline, Pol Pot, c'étaient de grands hommes. Vous savez pourquoi ils étaient puissants? Je parie que vous allez nous le dire. Parce qu'ils étaient tous prêts à faire ce que les autres refusaient. Wow. La compassion, c'est l'ennemi. La pitié nous ruine. Maintenant, à moins que vous vouliez encore me tester, vous allez lâcher vos armes. Là, on est foutu. Vas-y. Éloignez-les. Alors, vous avez testé ma volonté. C'est à moi de tester la vôtre. Vous aurez rien de plus en nous tuant. C'est vrai pour lui, oui. Mais vous, si vous la touchez, vous obtiendrez rien de moi. Eh bien, on dirait qu'on est dans une impasse. Malheureusement. À moins que... j'ajoute un nouveau pion à mon jeu. Amenez-la! Oh merde! Merde! Ah. Enlève tes sales pattes! Bien, l'une d'elles va servir d'exemple, et l'autre on l'utilisera pour vous inciter à coopérer. Choisissez! C'est des conneries, Nate. Ouais, n'entre pas dans son jeu. Vous voulez mon aide? Relâchez-les. Ce n'est pas une négociation! Qui voulez-vous sacrifier? Vous voulez sauver qui? Celle-ci? Vous voulez la sauver? Ou peut-être celle-là? J'en ai marre de ces conneries. Ça suffit, cinéma. Je ferai ce que vous voudrez. Ça a été rapide. Du calme, ok? Eh les mecs, c'est que de la résine, hein, calmez-vous. Passe-moi ton briquet. Ouais, rends-toi utile. Merci du con. Que de beauté avec ces lumières, que de beauté. Le triangle de la PlayStation, mais oui. Allez. Oh là là, on a vraiment trouvé l'entrée secrète de Shambhala. On y est. Enfin, du moins, on s'approche beaucoup trop, là. Putain. Ah. Faut croire qu'ils avaient encore prévu un petit piège. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, moi. Essaie de passer et répare ça. Et prends-le avec toi. Ah non. Peut-être que cette fois, ce sera bien fait. Je vais pas bosser avec lui quand même. Et au fait, monsieur Drake. Oui. N'essayez pas de faire le malin. Moi? C'est pas du tout mon genre. Enfin, si, c'est mon genre, mais là, j'avais pas prévu de le faire. Après toi. Ah! Espèce de sale traître. Les meilleurs m'ont tout appris. Allez, avance. Allez. Passe d'abord. Ah, tu ferais moins le malin sans flingue. Vous avez fini de parler? Eh, regardez un truc. Aïe! Je peux pas esquiver, hein. Donne-moi juste une raison, Drake. En fait, vous pouvez essayer de... Enfin, vous pouvez essayer, mais ça changera rien. Et je vous le dis tout de suite, ne le faites pas deux fois de suite. Si vous le faites deux fois de suite, il vous tue. Non, mais je le sais, je l'avais fait à l'époque du jeu sur PS3 et... Allez, suis-moi. On continue, à toi l'honneur.
Et j'étais mort comme un caca, je m'en rappelle très bien. Il parle beaucoup quand même hein, dans ce jeu, je trouve. Deux secondes. Attends-moi. Je suis armé. Je comprends pas pourquoi Lazarevitch t'a pas encore tué. Donne-moi un coup de main, mon pote. Je suis pas ton pote. Allez, on y est presque. Hey ! Désolé. Et ça t'empêche de passer ? Et tu trouves ça drôle ? Désolé. Super. Qu'est-ce qui va pas, mon pote ? Tu me fais pas confiance ? Non. En fait, le coup de pouvoir le taper lui, vous pouvez le faire plusieurs fois, mais faites-le avec un certain temps après. Parce que si vous le faites deux fois de suite, il vous tue. Alors, je préfère vous le dire tout de suite. Tu vois, tu peux compter sur moi, camarade. Voilà pour toi, chérie. Allez, passe d'abord. Mais tu me saoules, toi ! Tiens ! Donne-moi juste une raison, Drake. Ah, moi, j'en ai une. T'as une chemise rose ridicule. Oh ! Non, mais il est chiant. T'as pas intérêt à m'amener dans un piège. C'est par ici. C'est pas de tout repos, cette balade. Et comment je peux savoir si je t'emmène dans un piège ? Eh, viens m'aider à pousser, du con. Je l'ai... Aide-moi à bouger ce truc. Allez, allez. Vive le travail d'équipe. Comme au bon vieux temps, hein ? Oh, je te jure, ferme ta gueule. J'ai envie de te taper, Harry. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, là. Ah, d'accord. J'ai compris ce qui vient de se passer. En fait, j'ai sauté alors qu'il fallait pas sauter. Fallait longer comme ça. Mais comment ce machin a pu arriver là ? Pour l'instant, c'est avancé qui importe. C'est un peu mystique tout ça, non ? Non, et aide-moi à pousser ça. Si j'arrêtais de faire le con, ça serait bien. Pourquoi c'est moi le premier ? Allez, ma poule. Et voilà. On dirait ta mère. Allez. Eh, t'as vu ? Cette statue est aussi grande que ton ego. T'as intérêt à pas te louper. Parce que c'est pas moi qui vais t'aider. Qu'est-ce que t'es drôle, débile ? Si tu peux le faire, je peux aussi. Tu m'aides ? Non ? Non. Laisse tomber, ça ira. Pendentif à 8 emblèmes. Oh, il y a des poissons dessus. Bon, mène-toi, je vais ouvrir la porte, là. Fainéant. Allez, ouvrons-la. Comme on dit, une porte cache, et parfois une autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Attends-moi ici. Comme d'hab, je m'occupe de tout. Vraiment ? Attends. Quoi ? Ces symboles. Je les reconnais. Non, parce que lui, excusez-moi, il sert à rien. Alors, bonhomme, rempli et la barre. Un petit manuscrit, mais des gros cylindres. Merde, j'ai pas pris le bon côté. Moitié barré, moitié A, bonhomme. Ok, moitié barré. Voilà, et à côté, un bonhomme. Avec des grosses cloches. Un peu d'action. Deux secondes, j'essaie de me concentrer. Avec un peu d'action, quand t'auras appris à fermer ta gueule déjà pour commencer. Tiens, il est où le du con ? Et du con ! Aïe ! Donne-moi juste une raison, Drake. T'as servi à rien pendant l'aventure. T'as pas tes bracelets ? Voyons, alors ici, là c'est le côté que je voulais regarder. Bonhomme avec un A rempli et un symbole étrange. Ok.
Ouais. Ah bah voilà. C'est quoi ce machin qui sort du sol ? Allez, rends-toi utile. Allez, fais tout le chemin, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Et voilà, c'est bon. Tirer de l'eau. C'est moi ou c'est Chloé qui était le cerveau des deux en fait ? Parce que clairement, il est con. Il est con ce mec. Ah bah voilà. Eh merde. Mais c'est quoi ces saloperies ? Oh non ! J'ai besoin de pouvoir. Pas le temps de discuter. Tiens, vas-y. Merci. Attaquez-le lui ! Ah merde. Je voulais lui tirer dessus, ça marche pas. Mais vu la situation, c'est un peu normal aussi. La 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 la. Non. Aouh. Couchez. Couchez le chien. Mais ça résiste aux balles ces trucs, c'est ignoble. Aïe. Non. Tiens, coup de pied dans ta gueule. Non. Je veux pas mourir. Mais j'ai l'impression qu'il sent les dégâts, mais pas beaucoup. C'est quand même incroyable. Dégage-toi. Faut survivre combien de temps? Il m'a raté. Non, 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 t'as mauvaise haleine, non. Qui aurait cru qu'il m'aurait sauvé? Tenez-le. Bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est moche. Hein? Des gardiens pour effrayer les incas. Ouais. Eh ben, c'est plutôt efficace. Lazarevitch, j'ai fait tout ce que vous vouliez. Libérez-les. Toujours à marchander. Mais vous avez joué votre dernière carte. Et perdu. On dirait que le voyage s'arrête là, Nate. Non, 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 pas encore. Je veux qu'il voie Shambhala. Et qu'il meure en sachant que je le lui ai pris. Ouvrez la porte! C'est vraiment un conquérant, ce mec. Allez, poussez sur les bras, soldat! Wow! On y est. Shambhala. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. J'adore. Si c'est ma dernière vision avant de mourir, franchement, je serais très content. Maintenant, vous avez été dans mes pattes depuis bien trop longtemps. À genoux. Non. Zoran, on avait un accord. Je supporte pas les traîtres. Ah, super. Donc j'imagine que vous savez exactement où trouver la pierre. Je sers plus à rien. Parce que t'as déjà servi à quelque chose ? Merci. À genoux ! Mais on a dit non ! C'est pas vrai, ça ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Apparemment, les locaux ne sont pas très amicaux ici. Wow. Espèce de... Courez ! Go, go ! Fuyez ! Sur les ponts ! Au moins, ça les occupe et ça nous permet de nous enfuir. Ça va ? Non, ça va, ça va. Go, go, go ! Ah.
Chapitre 25, paradis brisé, fuyez! J'ai rien fait, moi! Il en sort de partout! On fait ce qu'on peut! En avant! En avant! Ah, on va aller là-dessus, venez! Qu'est-ce que c'est? Oh là! Joli saut! Ah, cache-toi! Accrochez-vous! Aïe! On doit se barrer d'ici tout de suite. Oui. Chloé a raison. Impossible de fermer l'œil parce que j'ai. Très bien, on y va. Allez, pas de temps à perdre. Allez, on se dépêche. On ramasse un peu de munitions avant. On dirait que quelqu'un est arrivé avant nous. On verra si on a plus de chances de s'en sortir. Ouais. Les cadavres ont l'air d'être là depuis une soixantaine d'années. Hé, hey, ça a pas l'air de les avoir aidés, mais tiens. Merci. Bon, Lazarevitch et sa bande ont dû partir vers la ville. Donc si on peut retrouver le chemin de l'entrée, la voie devrait être libre. Non, Chloé. On cherche la pierre de Shintamani. Quoi? On doit arrêter Lazarevitch? Ah oui? Et comment tu comptes t'y prendre, juste? On va mettre la main sur la pierre avant lui et la détruire. Oh, 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 oh. Ne me dis pas que tu crois à ces délires de trucs surnaturels. Je sais plus ce que je dois croire. D'accord. Alors, au cas où tu l'aurais pas vu, ce mec est bon à enfermer. Il pense accomplir une sorte de prophétie. Il croit que la pierre le rendra invincible. Immortel. Attends, on est au beau milieu de Shambhala et tu doutes encore de ce qui peut être possible? Ouais, t'as vu combien de balles ils ont tiré sur ces trucs? Il se passe des choses étranges ici. Raison de plus pour partir, tant que c'est encore possible. J'essaie juste d'arranger les choses. Et peut-être de sauver le monde? Oh non. Écoute, ma jolie, le monde s'en fiche. Quand on prend des risques, faut s'attendre à des retombées. T'as dit toi-même que tu voulais descendre ce type. Oui, et je veux le voir payer encore plus que toi. Mais ça finira pas comme ça. Voilà, voilà comment ça va finir. Non, pas cette fois. Alors, t'en penses quoi? Que vous êtes dingue. C'est pas nouveau. Mais allons sauver votre fichu monde. Bah surtout, Chloé, si le monde est détruit, on va pas s'en sortir, hein. Bon, on ramasse quelques munes. Et on se met en route. Je pense que je vais au moins faire le combat avant d'arrêter la vidéo. Et après, je vais m'arrêter tranquillement. Vous allez voir pourquoi. T'as rien fait ! Reste derrière, laisse pas t'approcher ! T'as que de l'assaut ! Ouh ! T'as fait une touchée, hein ! C'est tout ! Je sais, ok ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Une idée ? Aïe ! Tirez ! Je sais pas où ils sont, mais ça me fait peur. Je te vois. Youhou! Aïe! Je veux pas mourir, pas encore. Ah! Merci Chloé d'avoir pris pour moi. Oh putain. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, il est pas mort encore. Ah, ça y est. La grenade, ça marche bien, n'empêche. Alors. Ouhou. Il
Les filles, vous voulez pas arrêter de tirer à l'aveuglette? Waouh! Oh, il m'a esquivé le bâtard. Eh, viens là, viens là, viens là. Yes! Voilà! Merci pour l'arbalète. Oh là! Eh merde, c'est explosif! Je l'ai touché. C'est bon, il est mort. Allez, venez, on s'en va. Il va vous falloir des armes plus puissantes que ça. Évidemment. Bon, enfin, on verra ça la prochaine fois. La masse des fêtes, ça m'a un peu énervé. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !